Eskenazi. Mon joli, tu vas voir ta petite gueule. Allez, vas-y, frappe. Pénalité. Pénalité pour le numéro 2, Art Gosling. 2 minutes pour cross haute. Début de la pénalité, 14 minutes 48 secondes. Alors n'engage pas trop vite ou tu vas te retrouver à plat ventre dans les tribunes, hein. Tape du coude, prends le virage, mais n'engage pas avant que je sois sorti. Allez! Allez, fonce, vas-y! Ouais, c'est ça! Bien joué, Jerry! Tu as raison. Alors, qu'est-ce que t'attends pour charger? Personne t'a interdit de charger. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ah, pour rien, pour rien. Mais qui a dit que je ne chargeais pas? Personne. Bah, qu'est-ce qu'il prend? Brian t'a dit quelque chose? Je vois pas ce qu'il aurait pu me dire. À propos de moi, il arrête pas de m'engueuler. Bon, bah, un conseil, vas-y, mollo avec Brian. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de période creuse où on est sans engagement? Il est nouveau. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Écoute, tu as fait une partie du tonnerre contre Kansas City. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ah, bien sûr que j'ai raison. Hé, hey, Miller, Brian qui te demande dans son bureau. Pourquoi faire? Ah, il ne fait pas de confidence à moi. Ah oui, Miller. Vous désirez me voir? Doyle m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de venir. C'est... Le fait, c'est une question de gestion. Je parle pour le club, il faut un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Vous avez été choisi pour aller à Moline. Et Finet vous donnera vos frais de transport. Vous partirez immédiatement, ils ont un match mercredi, enfin ces jours-ci. Voilà, c'est tout. Vous présenterez à Moline directement. Mais vous êtes complètement malade. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux pas garder un type parce qu'il n'y a pas d'engagement. Un engagement? Mais c'est vous qui composez l'équipe. Si vous me mettez dans l'équipe, j'aurai un engagement. Écoutez, je n'ai pas envie de discuter avec vous. Ça va, j'ai passé 3 ans dans ce club. Je pense qu'en défense, j'ai fait mes preuves. Miller, j'essaie d'arranger les choses gentiment. Alors ça suffit maintenant. Vous me croyez bon à mettre au rancard? Attention. Faites pas le malin. Essayez surtout de ne pas faire l'idiot. Vous n'y connaissez rien. Il y a maintenant 2 mois que vous êtes ici, vous n'êtes même pas foutu de trouver les toilettes. Tant pis pour vous, c'est vous qui l'avez cherché. Vous voulez me dire en quoi vous êtes utile? Vous êtes quoi, un patineur, un shooter? Ça se saurait, croyez-moi. J'ai regardé le tableau de service quand je suis arrivé. J'aurais dû vous virer dès mon arrivée ici. Mais j'ai préféré vous offrir une chance. Une chance? Vous m'avez fait jouer quand Grady s'est froissé un muscle, c'est ce que vous appelez une chance? À la seconde période, l'autre nuit, Artie Gosling vous a fait une crosse haute. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes retourné, vous vous êtes éloigné. Vous êtes quoi, un patineur de charme? Je n'ai pas besoin d'un patineur artistique dans mon équipe. Je savais que vous n'aviez rien compris, ok. Il a eu ses 2 minutes de pénalité, exact. Il n'avait plus qu'une minute encore à jouer. Nous pouvions encore marquer par une échappée si on avait pu en faire une. Voilà, c'est ça, le hockey. Oui, c'est ça. Tout ce que je vous demande, c'est de me foutre la paix. Eh bien, moi, j'ai encore à vous parler. Alors, écoutez-moi bien. Moi, bien. Je peux vous faire un sale coup à Moline. Vous ne jouerez pas pour les Esquimaux Saskatchewan. Tu es sûre qu'ils n'ont rien? Certaine. Ça va faire 2 heures qu'ils n'arrêtent pas de boire. Ne t'inquiète pas. On n'aurait pas dû venir ce soir. Oh, chérie, voyons, au contraire. Pendant tout le trajet en voiture, il n'arrêtait pas de tourner la radio d'un poste à un autre. Oh, écoute, j'ai oublié des affaires sur la banquette arrière, des vêtements du petit Dédi. On pourrait... Ah oui, j'irai les voir un peu plus tard.
Jerry a quelque chose contre Dave. Pourquoi? Je ne vois pas. Eh bien, tu sais que Dave est plus jeune, il a 2 ans de moins. Et ça marche bien pour lui. Alors c'est pour ça que... Je croyais que Dave t'avait dit que Jerry était un peu agacé. Non! Non! Je veux dire, je ne crois pas. Par moments, j'ai l'impression que je deviens folle. C'est vraiment terrible ce qu'ils font à Jerry. Il ne veut même pas qu'on en parle. Il ne doit pas faire chaud dehors. Dave n'a jamais froid, lui. À la Saint-Sylvestre, il était assis dehors en t-shirt. Je pourrais peut-être lui porter du café chaud. Chérie, ils ont besoin d'être seuls. Toute cette histoire me laisse sans voix. Non, mais explique ça. Cet été, ils m'ont envoyé un contrat. Bon, j'avais pas à me plaindre. 10% d'augmentation, et j'avais cru, moi, dur comme fer, que l'année était assurée. Alors j'ai signé un bail pour l'appartement, et ça tombait sous le sens. Et je me suis offert un nouveau poste radio stéréo. Ça te paraît idiot? Et qu'est-ce qu'il décide, hein? De nous envoyer ce clown de Brian. Où est-ce qu'il sort, celui-là, pour se permettre de donner des ordres? Je fais partie de ce club depuis 3 ans, maintenant. Écoute, Jerry... Ouais, je sais, je ne prétends pas que je vaux Bobby Hull, ou même Esposito. Et pas même Dave Eskenazi. Mais j'ai la prétention de pouvoir jouer contre les meilleurs. Bon, écoute, si tu as besoin que je te dépanne, à la banque, j'ai un peu de liquide. Bon, j'ai ma place dans n'importe quelle équipe de cette ligue. Oh, t'as pas besoin de m'expliquer, t'as qu'à demander. Quoi? S'il te faut quelque chose. Où veux-tu en venir? Explique-toi. Tu veux de l'argent? Bon sang, je ne veux pas l'argent, t'as rien compris. Je sais pas, tu viens parler de bail. Ton argent, tu peux te le mettre où tu voudras. Chéri, ça devient de l'obsession. Je t'explique que je jouais déjà dans cette ligue quand tu jouais au Diable Vauvert. Je ne sais pas où pour un club d'amateurs dans la petite banlieue. Moline, non mais qu'est-ce que tu dis de ça, Moline? J'aurais dû frapper Brian en pleine gueule. Ah, oh, c'est pas Brian qu'il fallait frapper en pleine gueule, c'est Art Gosling. Art Gosling? Hier soir, quand il t'a fait une crosse haute. Jerry, toute cette foutaise que Brian met en avant, l'esprit de compétition, l'énergie, le désir, la volonté de vaincre, tu vois ce qu'il réclame? Pourquoi ils ont mis à la porte Rameau? Ouais, je sais, tu as raison. Mais c'est ça qu'ils veulent. Oh, écoute, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais à peine 8 ans, et ce qu'ils veulent, ça n'est pas du hockey. Jerry, ils te demandent pas de l'art. Donne-leur ce qu'ils veulent. Moline. Mais merde. Non, il fait toujours aussi froid ici. Ah, c'est rien, ici c'est pas le confort, pas d'eau chaude dans les douches, pas d'eau froide non plus. Mais... Qu'est-ce que tu t'imagines que tu joues pour la Ligue? Tu sais, quand j'étais balancé de Toronto, c'était encore pire. La moitié du temps, on n'avait pas de vestiaire, on s'habillait dans le bus. Et tu as joué combien de temps avec Toronto? 9 ans. Ensuite Chicago pendant 2 ans, et puis n'importe où. Mais tu as continué, pourquoi? Tu n'avais pas d'économie? C'est ma femme qui les avait. Elle les a emportées avec elle à Vancouver. Ah, t'étais en perte de vitesse, il fallait t'arrêter. Moi, si je me sens hors du coup la prochaine saison, je chercherai un petit boulot, n'importe quoi. Ben, y a pas de quoi rire, tu sais, c'est pas tellement drôle. Je sais bien, mais regarde un peu, moi. 46 ans. Et je descends sur la glace et je laisse ces mots me balancer contre les panneaux. J'ai eu 138 points de suture sur la peau, j'ai du liquide dans les genoux et de l'arthrite. Ça n'a peut-être le coup à 1 an. Peut-être moins, on verra. Qu'est-ce que ça a à voir? Ne crains pas de me regarder. Tu seras comme moi. Jette un coup d'œil. Tu seras comme moi. Il joue. Qui ça?
Il est gauche, le numéro 12, il est de la classe. Personne ne l'arrête. C'est vraiment un joueur de première. Hein. Il a l'air de quoi à côté de lui? Nom d'un chien, il faut quelqu'un pour empêcher ce numéro 12 de nous tirer dans les pattes. Toi, vas-y. Oh non, pas moi, mon vieux, il est trop rapide, je suis pas à la hauteur. Je vais le prendre. Je vais le calmer. On joue mardi en soirée. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Il n'a qu'à rester avec sa sœur. Ah, il a pris froid. Il ira mieux, c'est dans 4 jours. Ça va, petit? Pourquoi tu l'as pas balancé? Oui, ça va être ton tour, Miller. Quoi? Non, non, rien, non. Tout va très bien. J'ai fait une très belle partie ce soir. Chérie, je t'en prie, tâche de venir à Green Bay. Je sais, je sais. Oui, à bientôt, au revoir. Allez, 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 fonce, allez, vas-y. Poste numéro 6, Seattle. Non, j'ignore quelle est la personne qui m'appelle. Le message disait seulement poste 6. Miller, je ne quitte pas ce numéro. Merci. Je vois vraiment pas ce que je peux connaître à Seattle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Comment ça, rien? Il ne se passe rien. Mais je ne t'ai pas vu depuis 6 semaines. Tu as fait le déplacement depuis le Wisconsin. Allons nous coucher. Ça va comme ça, Sharon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas arrêté pendant toute la partie. Tu as eu 3 pénalités. Tu as crocheté ce défenseur au cours de la 3e période. L'arbitre ne l'a pas vu, sinon ça t'en faisait 4. Mais c'est le hockey, c'est pas un jeu de gamin. Je vois des matchs de hockey depuis que j'ai commencé à sortir avec toi. Je connais à peu près tous les trucs. Je t'ai vu bloquer le palais en tombant dessus devant les buts. Je t'ai souvent vu bousculer un homme irrégulièrement pour l'empêcher de marquer. Mais je ne t'ai jamais vu faire délibérément le... J'ai pas envie qu'on en parle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça n'a aucun rapport avec toi. Alors je peux m'en aller et oublier tout ce que j'ai vu. Tu as une façon de répartir la vie dans des compartiments tous bien séparés. Tu balances un joueur contre les panneaux, tu frappes comme un sourd et puis tu viens mettre tes mains sur mes épaules. Oh, et moi, ça c'est magnifique, hein, c'est absolument magnifique. Il me reste combien d'années encore à jouer, hein? Si je ne retrouve pas ma place en division d'honneur, la place à laquelle j'ai droit, tu pourras t'en mordre les doigts. C'est mon boulot et je suis payé pour le faire. Si ça te déplaît, ne viens plus au match. Tout ça, ce sont des mots, Jerry. J'ai assisté à des parties, je t'ai vu frapper et être frappé. Et j'ai jamais eu peur. Je savais que tu étais fort, je savais que tu pouvais encaisser. Alors je vois vraiment pas où tu veux en venir. Tu veux me laisser finir?
je viens assister à un match. Brutal, hargneux. Ça me fait mal au cœur. Et j'ai plus envie de me retrouver au lit avec toi. Je sais pas, tout était tellement différent ce soir. C'est pas croyable, on est vraiment en plein délire maintenant. Je ne vois pas qui pourrait avaler ça. Non, tu ne veux plus de moi dans ton lit parce que j'ai 8 minutes de pied d'animité. Bon, mettons que je n'ai rien dit. Oui, ici Jerry Miller. Oui. Dave, qu'est-ce que tu fabriques à Seattle? Hein? Non? Quand? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'ils ont envoyé Dave à Seattle? Non. Tu as entendu ce qu'il dit? Non, personne ne m'a rien dit. Moi, je trouve que c'est magnifique. Oui, je dis magnifique. Non, elle est ici, elle va bien. Dave te dit bonjour. Dis bonjour à Carole de sa part. Oui. Oh, tu dois l'appeler maintenant, alors je ne te retiens pas. Oui, bonne chance et merci. Je te remercie de m'avoir appelé. Oui, je trouve que c'est formidable. Oui, au revoir, à bientôt. Oh, Brian a dit à Dave qu'ils avaient l'intention de me faire revenir. Eh, Miller est sur la bonne pente. Attends. Chérie, tu as épousé un vrai champion. Tu racontes n'importe quoi. Tu as épousé un petit génie. On vous prend une narine, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça pue. C'est un liniment pour soigner les chevaux. Pas une blague, j'ai travaillé sur un hippodrome. Les chevaux s'amenaient avant la course, on leur mettait ça sur les boulets ou ailleurs. Eh, hey Jerry, tu as lu l'article sur Goldcross? Non. Et depuis son retour parmi nous, les fans de Jerry Miller se bousculent pour assister au match contre Seattle. Et son ami d'enfance, Dave Eskenazi. Lou Rocco, le grand malabar de Seattle, dit que la rentrée de Miller sera suivie avec le plus grand intérêt par les chirurgiens qui auront à réparer les fractures. Prévenu Miller, dit-il avec un sourire grimaçant, que s'il cherche le contact physique, on va s'amuser. Ce Rocco, il finirait par donner envie à Jerry d'appeler l'hôpital. Pour les prévenir qu'ils vont avoir de nouveaux clients. Ouais, dis-leur de préparer des lits à la maternité pour tous ces pauvres petits minables forts en gueule. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Les histoires habituelles, il déplore la violence gratuite. Il annonce Louis en flèche pour la défense. Il dit qu'il a l'air de Fred Astaire bousculant Ginger Rogers. Oui. Écoute, si ce recours allume, pas de problème. Tu peux y mettre le prix. Demandez le programme, demandez le programme. Jerry Miller, le recordman des pénalités. Demandez le programme, à qui un programme? Mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer celui qui a été sacré joueur de la semaine. Depuis son retour en division d'honneur, il a trouvé le chemin de vos cœurs et il a mérité votre admiration. Le voici. Le joueur de la semaine, notre recordman des pénalités, Jerry Miller. Jerry, nous avons une récompense toute particulière pour vous ce soir. Elle vous sera remise par Steve Domenico. Cette année, c'est le plus petit de nos joueurs de hockey. Et ceci en l'honneur du record de l'an dernier. 6 minutes par partie passée en prison. Et pour le record de 22 minutes au cours d'une seule partie. Jerry Miller, le premier boulet de l'année et la chaîne avec. Jim Cannon et du numéro 7, John Bennett.
Eskenazi. Assisté du numéro 15, Bud Boxing. Allez, vas-y, chérie, tu l'as, vas-y, chérie. Qu'est-ce que tu viens faire dans le coin, Dave? Vous aurez intérêt à patiner plutôt qu'à rester ici. Viens ici. Numéro 3 du Wisconsin et 6 de Seattle. 5 minutes pour bagarre. Wisconsin, pénalité pour le numéro 3, Jerry Miller. 5 minutes pour bagarre. Seattle, pénalité pour le numéro 6, Dave Eskenazi. 5 minutes pour bagarre. Début des deux pénalités, 12 minutes 56 secondes. Ne me cherche pas, Dave. J'ai pas peur, mon vieux, je t'attends. Au téléphone maintenant. Il s'est endormi. Non, je n'ai pas appelé Carole Eskenazi. Écoutez, vous devriez téléphoner au bureau du club dans la matinée demain. Je ne peux rien vous apprendre de plus maintenant. Oui. C'était un appel de longue distance. Ça venait de New York. C'était pour un journal, l'Illustration Sportive. Tu veux un peu de glace sur le front? Non. Pourquoi tu ne veux pas? Ça pourrait te soulager un peu. Tu veux une couverture? Non. Carole est en route. Elle doit prendre l'avion ce matin à Seattle. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas au téléphone. Mais comment ils peuvent déjà savoir ça à New York? Bien. Oui, je me sens bien.
La dernière fois que nous étions à Seattle, Dave avait crevé l'œil de Jacques Duval d'un coup de crosse stupide. Une rupture splénique, ça veut dire quoi? Je n'en sais rien, ils vont l'opérer, je crois. Ce sacré Polonais est solide comme un roc. Il m'a balancé comme une plume dans les panneaux. Qu'est-ce qu'il m'a filé? Mais doucement, doucement. Allô? Oui? Je suis Sharon Miller, mais écoutez, il est 1h du matin. Oh, c'est Monsieur Finet, il aimerait te parler tout de suite. Oui, oui, ils ont appelé pendant la nuit pour la télévision, les actualités. Non, Jerry ne leur a rien dit. Oui, Monsieur Finet? Non. Non, juste Charles Goldcross pour la dépêche du dimanche. Un imbécile qui n'avait pas fermé la porte du vestiaire. Mais qu'est-ce que vous espériez que j'allais faire? Me précipiter dans la rue en smoking? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Je lui ai simplement dit, j'espérais que Dave n'avait rien de grave et que c'était les risques du hockey, enfin des foutaises, quoi. Monsieur Finet, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ah, c'est bon pour votre pub. Bon, bon, d'accord, j'irai. Oui, j'ai déjà envoyé des fleurs, oui. Ah, oui, oui. Ça, c'est la meilleure, monsieur Finet. Je ne comprends pas. Vous allez payer l'amende habituelle de 300 dollars. Et vous voulez me faire payer pour des fleurs? Monsieur Finet, ils doivent opérer Dave. Et il n'est pas en danger, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je vous remercie. Merci, monsieur Finet. Ils veulent me faire payer les fleurs. Ça va vraiment pas dans leur petite tête. Ils vont avoir à payer une amende à la Ligue et ils veulent me faire payer 20 dollars pour les fleurs. Et en ce qui concerne Dave, il y a du nouveau? Aucune idée. Je dois aller à l'hôpital demain. À 10 heures. Ils disent qu'il le faut pour mon image de marque. Vous avez vu le film Contrôle, je voudrais voir le passage où la bagarre a commencé. La bande est prête, vous allez la voir. C'est cette bande qui établit formellement que le temps était terminé. Ah oui, Michelet était hors jeu. On peut voir l'angle sur l'enregistrement. Mmh. On voit également que le palais a été ramassé avant que Miller commence. Et nous avons un audio aussi. Tenez, voilà. Charlie. On le voit en ligne et en gros plan. On va voir le coup arriver ici. Charlie, ralentis-moi l'image. Voilà, c'est le moment. Regardez la crosse. Arrête l'image. Continuez encore lentement, juste après qu'est-ce qu'un nazi soit par terre. Qu'est-ce que vous allez faire de l'enregistrement? Vous allez l'effacer? Pas avant la fin de la saison. Il nous arrive parfois de faire une projection spéciale pour une sorte de gala. L'année dernière, on a même gagné une coupe. On avait fait un montage des combats, des accrochages, des trucs de ce genre. Et on avait mis dessus du Tchaïkovski, la musique de ballet. Nous voulions appeler ça la suite de Casse-Noisette, mais ça a été refusé par la Société des auteurs. Oui. Nous voudrions cet enregistrement. Vous aurez une demande officielle dans la matinée. Merci, Monsieur Walters. Il n'y a pas de quoi. Marvin, tu sais qui vient de sortir? Horace Med. Med, le procureur général du district. On m'a dit que j'avais l'autorisation d'entrer. Je suis Jerry Miller. Vous savez, je le connais. C'est mon ami d'enfance.
Reste avec moi. Je viens de voir Dave. Il est couché là-bas. Beaucoup mieux d'aller au vestiaire. Qu'est-ce qu'il y a? Inès veut vous voir. Pourquoi? Maintenant, avant le match? Dis-moi, je ne peux rien dire de plus, il attend. Qu'est-ce qu'il y a? On va commencer dans 5 minutes. Oui, oui, je sais. Nous tenons à mener cette affaire sans trop de bruit. Mener quoi? Jerry Miller? Oui. Je suis le détective Forcher, Alvorsen. Nous sommes ici pour le procureur Medel, pour cette affaire. Oui, je suis désolé, mais je trouve ça complètement ridicule. Vous ne pouvez pas attendre la fin du match contre Louisville? Enfin, je ne comprends pas. J'ai un mandat d'arrêt contre vous, pour attaque qualifiée à l'aide d'une arme mortelle. Une arme mortelle, une crosse de hockey? Mais est-ce que Nazi connaissait les risques du métier quand il a chaussé ses patins? Alors, il n'a pas déposé de plainte, non? Non, je crois que non. Alors, expliquez-vous. Eskenazi est mort à 4 heures cet après-midi. Monsieur Med recevra une accusation conforme avant sa déposition demain pour homicide par imprudence. Vous devriez aller vous changer. Il faut nous accompagner. Jerry, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vais aller voir Monsieur Kane pendant un arrêt de jeu et je lui parlerai. Toute cette histoire est ridicule. Bill Kane est un homme important. Aucune inquiétude à avoir. En attendant, ne faites aucune déclaration. Le club vous enverra un avocat ce soir ou demain matin. Il vous dira tout. On s'occupera de tout du commencement à la fin. On trouvera un solide exposé à l'appui et dès que toute cette affaire sera mise en route, la suspension sera levée et vous pourrez jouer. Pourquoi ma suspension? Évidemment, vous serez suspendu jusqu'à ce... Pourquoi on doit me suspendre? Jerry, c'est la Ligue. Le club n'a rien à voir là-dedans. Il faut comprendre. Il ne faut pas vous inquiéter. De toute façon, le club a pris un engagement pour la caution. Alors pourquoi la Ligue doit me suspendre? Qu'est-ce que vous pensez que la Ligue doit faire? C'est une affaire sérieuse, une énorme responsabilité. Je suis innocent tant que ma culpabilité n'est pas prouvée. Exact. Alors pourquoi m'empêcher de jouer? Allons. Soyez raisonnable. Nous sommes solidaires. Monsieur Finet. Je ne comprends rien, excusez-moi. Écoutez, Jerry. Le club va continuer à vous verser votre salaire, ça je vous le garantis. Si M. Kane est d'accord, Bill Kane, c'est un homme honorable. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas à vous inquiéter, il est loyal, et il vous épaulera, moi je vous assure. Vous n'avez rien à craindre, croyez-moi, rien. Mesdames et messieurs, voulez-vous m'accorder quelques minutes d'attention? Bill Tierns, président du club du Wisconsin, souhaite faire une déclaration devant la presse. Bill Tierns, s'il vous plaît. Merci. Naturellement, nous tenons à dire toute notre sympathie pour Dave Eskenazi et à sa famille. Lumière. Oui. Ainsi que je le disais, nous tenons à dire toute notre sympathie pour Dave Eskenazi et sa famille. C'était un joueur plein de talent. Il était ardent à la lutte, il l'a prouvé. C'était un véritable Américain. Et il avait droit à notre admiration. Il était Canadien, pas Américain. Dave était un vrai Canadien en réalité, mais cela revient au même. Dans cette malheureuse affaire, nous soutiendrons Jerry de toutes nos forces. Il s'est toujours donné à 100%. Et nous serons avec lui à 100%, c'est normal. Vous avez déclaré que la violence était partie intégrante du jeu de hockey. C'est exact. Ce que j'ai dit, c'est que le hockey, ainsi que le football, ou
la boxe, était d'abord une confrontation physique entre plusieurs athlètes. Je trouverais ridicule qu'on traite ça de la même façon que dispute entre deux clients dans un bar. Vous permettez, est-ce que vous prétendez que la loi ne doit pas être appliquée en matière de sport? Non, je ne me hasarderai pas à dire cela. Veuillez m'excuser, mais ce que M. Kearns est en train de dire, c'est que le contact dans le sport provoque certains risques que les joueurs doivent assumer pleinement. Vous trouvez légal, M. Foller, de perforer les intestins d'un joueur du moment que ça fait partie du jeu? Écoutez, en tant que procureur, M. Barberine, je vous rappelle que ces questions de fait seront posées devant le jury si, évidemment, l'affaire vient devant un jury. Je ne pense donc pas que des commentaires puissent être faits sur l'aspect juridique de ce cas. En ce qui vous concerne, jury, considérez-vous que vous êtes dans cette affaire le bouc émissaire? Le hockey m'a apporté énormément et je ne veux rien faire qui puisse porter préjudice au sport. Le problème, c'est que votre bonhomme a frappé Eskenazi et qu'il en est mort. Il est là le problème. Écoutez, de quel côté êtes-vous? Il y a un fait certain, c'est que nous sommes chargés de la défense de Miller. Nous sommes donc solidaires. Quand cette affaire sera liquidée, je bazarderai ce traité en Alaska. Il est brutiste canadien. Il est américain. Quoi? Miller, il n'est pas canadien. Il est originaire de Glen Falls, New York. La ferme, finale. Combien pensez-vous que je peux tirer de l'opération? Vraiment, les guerres choisies pour en discuter. Bon, faut. Combien est-ce que ce gars de Hambourg a offert l'année dernière à San Diego? 9 millions. J'aimerais traiter cette affaire immédiatement. Enfin, voyons, Bill. Je sais, il faut compter que ça nous prendra au maximum 2 ans pour récupérer l'amortissement d'un joueur sous contrat. À l'arrivée, cette bagnole... Elle va arriver, j'ai appelé il y a un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on peut envisager avec ce procureur général? Rasmid, pensez-vous lui offrir un abonnement? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il envisage? Gouverneur, sénateur ou quoi? J'en sais rien, mais... Il semble à moi qu'inculper le pilier de la défense de la meilleure équipe de hockey du Wisconsin n'est pas un bon moyen d'acquérir la popularité. Mais enfin, comment se fier à un homme quand on n'arrive pas à savoir ce qu'il veut? On peut peut-être essayer de manigancer quelque chose. Faites-le le plus rapidement possible. La télé a son contrat qui se termine dans 6 semaines. Ah, Gus Mahler m'a appelé. Il est très embêté. Il ne veut pas que la marque de sa bière soit associée dans l'esprit du public avec la violence. Que pensez-vous de ça? Ce pourri de Mahler a fait marcher sa brasserie pendant la prohibition avec comme partenaire Al Capone et il trouve ça embêtant, la violence. Je suis inquiet pour Jerry Miller. Tiens, voilà la bagnole. De quoi êtes-vous en train de parler, Finet? Il était inquiet à la pensée qu'on pouvait le suspendre. À mon avis, il faut traiter cette affaire avec beaucoup de doigté. Je veux dire, dans l'intérêt du sport. On lui a dit qu'on était avec lui à 100%, pas vrai? Oui, mais voyez-vous... Et alors, ne vous tracassez pas pour Miller. Je vais envoyer un des gars du bureau lui tenir compagnie et tout ira bien. C'est Douchéa, la marque. Ses tirs sont époustouflants. Vas-y! Vas-y! Jerry, écoute. Allez, passe à la gauche. Monsieur Bill Kearns, le dirigeant du club, déclare que Jerry Miller était un merveilleux athlète et un joueur remarquable. Allez, maintenant, c'est à toi. Allez, fonce droit au but et tire. Tu entends ça? Quoi, ça? Commentant l'accusation qui vient d'être portée devant le grand jury, Kearns déclare... Allez, tu déportes sur la gauche. Là. Non, non, pas maintenant, plus tard. Tu veux savoir ce qu'il a dit? Ah oui, mais... Tu as tout le temps. Eddie, veux-tu m'aider à mettre un peu d'ordre ici, s'il te plaît? Au moment, on est à la troisième période. Il a l'air très gentil, cet homme. Eddie! Je me souviens que la télévision, il a déclaré l'autre jour qu'il était 100% avec toi. Tu as entendu ça? J'y étais, papa. Papa, tu viens? Eddie, on finira la partie tout à l'heure. Ah, Kearns, c'est un homme important dans cette ville. Tu sais, c'est lui qui a toutes ces bétonneuses, ces instruments mixeurs, on les appelle... Un mélangeur. Oui, peu importe. Ces trucs appartiennent à la compagnie Kearns. Je sais, papa. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir cet après-midi. Et c'est la moindre des choses. Quand mon fils se trouve dans l'embarras, je ne vais pas rester chez moi. Je sais, papa, mais je ne veux pas en parler devant Eddie. Ah oui, je vois. Je comprends ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le hockey n'est qu'un sport. Quand on examine les choses en face... Il ne faut pas te laisser envahir. Tu dois continuer à vivre de la même manière. Comme si rien n'était arrivé. Cela me semble difficile étant donné qu'ils m'ont suspendu. Ils ne te feront jamais ça. Ils ont besoin de toi, Jerry. Ils n'ont personne d'autre que toi pour les pénalités. Papa, tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi. Dis-moi qu'ils ont, Fanachel.
Il tient sa crosse comme une vieille femme. Jerry, ils sont obligés de lever cette suspension. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a une chose certaine, c'est qu'ici tu es très populaire. Alors, ne t'inquiète pas. Papa, un avocat va venir à la maison cet après-midi. Tu peux me citer un cas où ils ont fait quelque chose à un athlète? Ce footballeur-là, comment il s'appelait? Celui qui avait tué un homme dans un motel. La saison d'après, il jouait à nouveau. Papa, tu ne comprends pas la réalité de la situation. Ils vont m'inculper. Ça, c'est de la blague. Tout le monde sait ça. L'important, c'est que tu sois tous avec toi. Ta famille, tous tes fans. Les fans, ça compte dans cette ville. C'est eux qui font vivre le club. Papa, ils vont m'arrêter, moi. Ils peuvent me juger pour meurtre. Ne dis jamais une chose pareille, Jerry. Ne te laisse pas impressionner comme ça. Papa, la ferme. Tais-toi, je t'en prie. J'étais simplement venu te voir parce que je pensais que ma présence t'apporterait un peu de réconfort dans ces circonstances. Oui, je sais, papa. Mais je te remercie infiniment. Monsieur Miller? Oui, que puis-je faire pour vous? Je suis George Graff, étude Fowler, Killingham, Parker et Klein. Je suis votre avocat. Non. Enfin, je voulais dire que le club m'avait dit que mon avocat s'appelait Fowler. Mais je suis l'associé de M. Fowler. Il ne peut pas s'occuper de toutes les affaires personnellement. Écoutez, c'est mon avocat, Fowler. Et je veux mon avocat, non? Mais d'où venez-vous? Enfin, quelle sorte d'avocat êtes-vous? Je vous assure que je suis bien avocat, inscription au barreau et tout et tout. Écoutez, M. Miller, j'appartiens à un grand cabinet qui m'a chargé des travaux préliminaires, c'est la coutume. Cela ne signifie pas que je dois plaider devant le tribunal. Jerry! Oui? Ah bon, mais entrez. Voici ma femme, Sharon. Enchanté. Bonjour. Mon père. Voici monsieur... Graff, George Graff. C'est mon avocat. Eh bien, nous pourrions tous aller nous asseoir. Ancien combattant? Je vous demande pardon? Je pensais que vous étiez ancien combattant. Oh. Malheureusement, non, c'est congénital. Malformation de la hanche. Papa, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Mmh. Papa? Ah, oui, oui, je viens. Eh bien, je crois que le mieux est de commencer par les antécédents. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Papa, taisez-vous. À quoi diable peut servir un avocat, un athlète? Papa! Écoutez, si nous allions faire un tour dehors, on manque d'air ici. Oui, bien sûr. Mon père est un spectateur fanatique des matchs de hockey, vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Je comprends très bien. Cela ne m'étonne pas. Je suis moi-même allé voir quelques matchs cette saison. Je pense que je vous ai vu jouer à peu près une douzaine de fois. Ah oui? Vous savez, c'est curieux. Vous voyez des athlètes, particulièrement à la télévision, et vous avez le sentiment que vous les connaissez un peu. Vous voyez leurs visages si nettement, des visages crispés par l'effort, leur tourment, leur déception. Cela donne l'illusion que vous êtes vous-même avec eux dans le jeu. Que vous pouvez véritablement comprendre ce qu'ils éprouvent. Mais bien sûr, c'est inexact. Vous vous êtes toujours intéressé au hockey? Oh oui. Savez-vous, Jerry, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? C'est pourquoi le club s'est privé de vos services la saison passée. Cela m'a paru incompréhensible pour moi aussi. Mais je vais vous dire la vérité. La vraie vérité. Au hockey, on me considère comme un joueur moyen. Je patine bien, je suis rapide. Mais je ne suis pas le meilleur buteur de la ligue. Et j'ai tendance à tourner souvent sur la gauche. Et c'est mon mauvais côté. Vous connaissez cette enseigne qui pend au balcon? Oui, le recordman des pénalités. Oui, cette enseigne est une erreur. Le recordman des pénalités, c'est le type qu'on met en défense pour faire barrage contre une équipe puissante. Je suis en quelque sorte un membre de la brigade des cogneurs.
Horace, comment espérer qu'un homme ait la possibilité d'avoir un jugement impartial dans une telle atmosphère? Le juge va être influencé par la publicité. Je n'endosse pas la responsabilité. Horace, que devient votre sens de la mesure? Le peuple adore le hockey, il aime le football. C'est d'un divertissement qui incline à la violence. Un défoulement assainissant qui moralement remplace la guerre. C'est pas ce que William James en pense. Cela ne change pas l'humanité. Ce n'est pas mon intention, je m'efforce de faire respecter la jurisprudence de cet état. Vous êtes tout à fait normal pour manger des grenouilles au petit déjeuner. Bon. Vous savez pertinemment qu'il y a des bagarres dans le hockey. Pourquoi faut-il que soudain vous vous en preniez à cet homme? Parce qu'il a commis un homicide dans ma juridiction. Horace, Bill Kearns est désireux de régler ça d'une façon convenable. Non, 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 surtout n'en prenez pas ombrage. Jerry Miller n'est pas un risque pour la société. Ce n'est pas un homme à bousculer une vieille dame dans un vestibule. Mais je le sais très bien. Je le sais. Je vais vous parler d'une condamnation qui a lieu aujourd'hui. Un jeune de 17 ans sous l'emprise de la drogue a frappé à mort une vieille femme de 68 ans pour 7,38 $. Et alors, quel rapport? Alors, je connais toutes les circonstances atténuantes pour ce genre d'affaires. Je connais toutes les raisons sociologiques et psychologiques qui peuvent diminuer la responsabilité. Une intelligence déficiente, une enfance particulièrement dépourvue d'affection. Il avait besoin de se piquer. Je sais tout cela. Il vient d'être condamné à 20 ans de travaux forcés. Pourquoi? Parce qu'il existe dans toutes les sociétés un accord tacite qui prévoit que les gens qui ne battent pas les vieilles dames ne risquent pas d'être punis, mais que ceux qui le font seront punis. Horace, je connais la philosophie de la justice en matière criminelle, mais cette affaire ne relève pas de la même philosophie. Si, c'est la même. Il y a homicide. Alors dois-je laisser Jerry Miller libre parce que Bill Kearns est un millionnaire et parce que le hockey peut rapporter de l'argent? Je pensais que j'allais déjeuner avec un politicien, pas avec un personnage issu d'Antigone. Garçon. Oui, monsieur. Horace, verriez-vous une objection à ce que j'aie une réunion avec vos collaborateurs pour obtenir un compromis? Je n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que Maître donne son accord pour ce marché? Marty va donner sa parole. Je pense que nous devrions avoir l'accord de la Ligue. La Ligue? Mais qu'est-ce que la Ligue a à voir là-dedans? Monsieur Fowler. Qu'y a-t-il, Graf? Je ne crois pas que notre client ait très bien compris ce que nous avons proposé. Bien entendu, si Jerry a des questions à poser, qu'il les pose. Je ne comprends rien à toute cette histoire. Très bien, je reprends tout à zéro. Nous avons réussi à arranger un compromis avec le procureur général. C'est une négociation à l'amiable. Ils sont d'accord pour abandonner le chef d'accusation d'homicide et ils acceptent de s'en tenir à de simples voies de fait. Je considère que c'est positivement un bon accord. Attendez une minute. Que dois-je faire? Vous n'aurez qu'à plaider coupable, bien entendu. Coupable? Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura rien à dire. Tout sera net et clair. Pour ce qui est de la sentence, y a-t-il eu un accord, monsieur Fowler? Enfin, grave, vous connaissez le juge Reinhardt, il n'a pas l'habitude de s'engager dans des compromis, mais le procureur recommandera la mise en liberté, et puis s'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a aucune raison pour qu'il ne l'accorde pas. Mais le juge n'est pas lié par la recommandation du procureur. Non, mais dans un cas comme celui-ci... En fait, aucune garantie n'est accordée. Mais il faut dire que c'est vrai. Nous tenons à ce que vous compreniez bien la situation dans son intégralité, Jerry. La juridiction a prévu de 7 à 15 ans de prison, mais dans un cas comme le vôtre, en mettant les choses au pire, je n'ai jamais vu infliger plus d'un à 3 ans. Vous voulez dire de prison? C'est ce que vous voulez dire? Une à 3 années de prison? Pas tout à fait. Vous n'avez affaire que les 2 tiers du minimum, cela fait 8 mois. Ouais, c'est magnifique. Vous ferez les 8 mois de prison pour moi, n'est-ce pas? Voyons, Jerry, il faut réfléchir. Écoutez, Miller, on essaye de vous aider. En me demandant de plaider coupable. Enfin, c'est réellement la seule chose censée à faire. Pour qui? Allons, allons. Qu'arrivera-t-il à ma famille quand je serai en prison? Hein? Doucement, doucement. Mais qu'est-ce que je ferai après? La Ligue me bannira pour la vie. Et ça... Allons, Jerry. Est-ce que je trouverai un emploi dans une compagnie quelconque? Est-ce que je trouverai un emploi dans une école comme entraîneur? Non! Non, je veux au moins tenter ma chance. Bien sûr, Miller, que c'est la meilleure solution. Très bien, très bien, très bien! Qu'en pensez-vous? Écoutez, je vous assure que c'est la meilleure. J'ai posé une question. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Graff? Dois-je faire ce qu'ils disent? Seulement si vous le voulez. Très bien. Supposons que je dise non.
Est-ce que j'ai une chance? C'est là tout le problème, à mon avis. C'est à lui que j'ai demandé. Y a-t-il une défense possible qui m'apporte une chance? Oui, je crois que oui. J'ignore quel est le but que vous poursuivez, Graf, mais ça nous a pris 4 heures pour obtenir notre compromis. Vous ne m'en avez pas parlé. Oui, mais je vous rappelle que je suis le membre le plus important de notre étude. Oui, monsieur. Ne vous avisez jamais plus de me contredire devant nos clients. Je ne vous ai pas contredit, monsieur Fowler. Miller m'a demandé s'il y avait une défense possible. Il y en a un certain nombre. On peut, en premier, prouver qu'il n'y avait aucune intention criminelle. Vous démontrez ensuite que le hockey l'a encouragé à la violence. Et ainsi que la Ligue et le club sont également coupables. Jerry n'est pas personnellement responsable. Vous êtes jamais venu à l'esprit que Bill Kearns et que le club sont d'importants clients de notre étude. Aussi, monsieur. Mais je pensais que nous représentions Jerry Miller dans cette affaire. Oui, oui, bien entendu. Et c'est l'opinion de Fowler, Cunningham, Parker et Klein que ses intérêts seront bien servis en acceptant ce compromis. Je ne le pense pas, monsieur. Pas s'il s'y refuse. Oui, vous savez, on ne peut pas dire que ça marche magnifiquement dans notre profession. Vous avez eu beaucoup de chance d'obtenir cette place. Alors j'aimerais un peu de loyauté. Ne croyez-vous pas que ce serait contre les règles du barreau de sacrifier un client aux intérêts d'un autre? Nous n'avons jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de la sorte. Mais un observateur impartial pourrait conclure en sens inverse, si Miller demandait de plaider innocent alors qu'il en est empêché parce que ce serait une mauvaise publicité pour le club. Est-ce que vous insinuez que cette conversation que nous avons en privé pourrait devenir publique? Elle restera privée aussi longtemps que Jerry Miller le souhaitera. Eh bien, c'est un point de vue discutable parce que Miller va rester un client de cette étude. Et Graf, pour éviter toute question, je vous donne l'entière responsabilité de sa défense. Vous pouvez traiter cette affaire comme il vous plaira. Mais j'espère que vous le ferez brillamment, car vous en aurez besoin quand vous vous présenterez dans d'autres études pour un emploi. Hors-jeu! Monsieur Mérite, vous avez vu le film qui nous est offert en témoignage. Alors, le juge de ligne vient de siffler. La partie est donc stoppée. Est-ce exact? Oui, monsieur. Y a-t-il une raison pour qu'un violent contact se produise entre deux joueurs pendant un arrêt de jeu? Non, aucune raison. Et pouviez-vous voir Jerry Miller à ce moment-là? Oui, monsieur. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est dirigé vers Eskenazi et... il l'a perforé. Objection, votre honneur, le témoin vient de tirer une conclusion. Je me limitais à demander au témoin de témoigner de ce qu'il a fait. Votre honneur, quand il utilise le mot perforé, dans le jargon sportif, cela implique une intention, un acte prémédité, et cela entraîne une conclusion. Le témoin ignore totalement ce que Jerry Miller avait en tête. Objection valable. Veuillez exprimer votre pensée autrement. Le jury ne tiendra pas compte du mot perforé. Monsieur Mérite, vous avez vu Miller se diriger vers la victime, c'est bien exact. Oui, monsieur. Et vous avez vu la crosse que Miller tenait dans sa main, c'est exact? Oui, monsieur. Ainsi que nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises sur l'enregistrement, la crosse était brandie par Miller pendant qu'il s'approchait. Oui, monsieur. Et que s'est-il passé, alors? Il l'a frappé avec sa crosse, à peu près ici.
Le témoin indique l'abdomen en dessous de la cage thoracique. Et avez-vous vu ce que Miller a fait? Il s'est précipité sur lui et l'a frappé à la tête à plusieurs reprises. Et vous, qu'avez-vous fait alors, monsieur Mérite? J'ai essayé de sortir Miller. Merci, monsieur Mérite. Le témoin est à vous. Monsieur Mérite, vous arbitrez le hockey officiellement depuis pas mal d'années. Oui, monsieur, depuis 1968 pour la Ligue. Dans le cadre de vos fonctions, avez-vous déjà assisté à des combats parmi les joueurs au cours d'un match? Oui, monsieur. Est-ce que nous pouvons dire que les bagarres sont une monnaie courante dans le sport professionnel du hockey? Oui, monsieur, c'est dans le contexte du sport. Merci de votre réponse, monsieur Mérite. Voyons, dans la soirée du 7 janvier, vous avez, à la 17e minute de la seconde période, infligé une pénalité à Jerry Miller et Dave Eskenazi, est-ce exact? Oui, monsieur. Vous souvenez-vous du motif de la pénalité? Bagarre. Exact. Les deux hommes avaient enlevé leurs gants et ils se battaient entre eux. Oui, monsieur. Et quel temps de pénalité leur avez-vous infligé? 5 minutes de pénalité. Seulement 5 minutes. Monsieur Mérite, voulez-vous nous dire quel est l'article 44 du règlement officiel de la Ligue? 44, c'est... Ça s'appelle une pénalité de match pour avoir tenté de blesser un adversaire. Pénalité de match, ça veut dire exclu pour le restant de la partie. Oui, monsieur. Mais vous n'avez pas exclu Miller ni Eskenazi pour le restant de la partie, vous leur avez donné 5 minutes. Oui, c'est une affaire d'appréciation. Et c'était votre appréciation que deux professionnels, des athlètes, au sommet de leurs conditions, se battant l'un contre l'autre les poings nus, ne voulaient pas de façon délibérée se blesser l'un à l'autre? Pas au sens de la règle 44. Il est bien évident que même plus tard, après qu'Eskenazi ait été mis hors de combat, vous n'avez pas appliqué la règle 44 contre Jerry Miller cette fois non plus. Non, je l'ai exclu de la partie seulement pour méconduite. Ainsi, n'ayant pas considéré, dans votre jugement, que Miller, de façon délibérée, essayait de blesser Eskenazi, vous n'avez pas appliqué la règle 44. Objection, votre honneur. Monsieur Graff donne des réponses à ses propres questions. Je suggère que le témoin puisse donner sa réponse. Il lui a été demandé s'il jugeait que Miller avait délibérément essayé de blesser Eskenazi. Vous avez posé la question, monsieur Graff. Le témoin va répondre. Oui. Je pensais qu'il avait délibérément essayé de le blesser. Mais vous n'avez pas appliqué la règle 44. Non, nous avons appliqué la méconduite. Pourquoi non? Une personne vous a-t-elle dit de ne pas l'appliquer? C'est la politique de la Ligue? Non. Nous allons voir si j'ai bien compris. Il existe un règlement contre un joueur qui délibérément essaie d'en blesser un autre. Seulement vous et les autres officiels, vous faites rarement, sinon jamais, appel à ce règlement. Enfin, vous ne pouvez pas dire jamais. Vous n'appliquez jamais, en fait. Non, pas jamais. Enfin, rarement, si vous voulez. Merci, monsieur Mérite. J'ai peut-être commis une grave erreur. Vous aurez peut-être dû accepter le compromis et plaider coupable. Je peux encore en parler à Med et voir si ce compromis tient toujours. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous sommes au moment délicat de ce procès. Med a eu sa chance et nous n'avons pas encore eu la nôtre. Je sais ce que cela représente. On a les nerfs en pelote comme lorsqu'une chose arrive qu'on n'attend pas. J'ai éprouvé cela quand le club m'a demandé de payer pour les fleurs. Ensuite, j'étais découragé parce que j'étais suspendu. Je n'ai pas vraiment pensé à ce qui s'était passé jusqu'à ce que, révolté par mon père, je me sois insurgé contre lui. Dave Eskenazi est mort. J'ai oublié que Dave était mort. Tout cela est déconcertant. Quand je pense qu'il était mon meilleur ami, je m'aperçois qu'il n'est pas question de lui dans tout ça. On n'a jamais fait allusion à notre amitié pendant ce procès. Quand j'étais à l'hôpital, j'aurais aimé qu'il me dise « ne t'inquiète pas ». Il ne vous a rien dit. Il ne vous a pas dit qu'il ne vous oubliait pas, que c'était des risques du hockey. Pourquoi? Si quelqu'un l'avait entendu dire ça, une infirmière, cela pourrait nous aider. Non, il était dans les vapes. Il n'a rien dit. Il a dit « j'ai mal ». Rien d'autre? Et vous, que lui avez-vous dit? Moi, rien. Que diable aurais-je pu lui dire? Je n'ai pensé qu'à moi. Mais toi, tu n'as rien à me dire, à moi? J'étais furieux contre Dave, vous comprenez? Il en avait dans le ventre. Il avait du talent. Lui, ça n'était pas un cogneur. C'était un vrai joueur de hockey. Attendez, Jerry. Vous allez être appelé à la barre. Il est très important que vous écoutiez ce que je vais vous dire. Dave Eskenazi est mort. Ça ne signifie pas que vous êtes légalement responsable de sa mort. N'oubliez jamais ça. C'est facile pour vous. Avec ça, vous allez bâtir une réputation pour vous, votre étude. Vous allez être en représentation. Vous m'avez demandé s'il fallait plaider. Je vous ai dit que c'était à vous de voir. Vous m'avez demandé s'il y avait une défense. Et je vous ai dit qu'il y en avait une.
Ça va très mal avec votre patron. Vous allez probablement être viré. Probablement. Pourquoi avez-vous décidé de faire ça? Je l'ignore. J'ai vu qu'il vous abandonnait tous, qu'il n'y en avait pas un pour vous défendre. Et j'ai senti que ça n'était pas de cette façon qu'il fallait jouer le coup. Monsieur Finet, en tant que secrétaire général de l'organisation de ce club, tous les communiqués de presse doivent passer par vous, est-ce exact? C'est exact. Veuillez jeter un coup d'œil sur ce communiqué de presse. Pouvez-vous en établir l'origine? Oui, monsieur. C'est une copie d'un communiqué de presse sur le déplacement du club. Je voudrais déposer cette copie comme témoignage, votre honneur. Portez-la au procureur général. J'en ai une copie, monsieur Med. Absolument. Monsieur Finet, je tiens à vous en lire un passage. Votre honneur, puis-je approcher du tribunal? Votre honneur, ceci est irrégulier. Il a l'intention de contre-interroger son propre témoin. Votre honneur, vous connaissez le propos de ma défense. Cela fait partie intégrante du hockey. Voulez-vous me permettre de vous apporter la démonstration qu'il est un témoin partial? Med, je n'aime pas ça. Cela va nous prendre l'après-midi entière. Vous savez qu'il est hostile à l'intérêt de mes clients. Je le considérerai hostile si vous n'avez pas d'objection. D'accord. Monsieur Finet, je tiens à vous lire un passage de ce petit communiqué. Afin de tenir sa promesse faite aux supporters de leur présenter une grande et solide équipe physiquement apte à se battre, selon la nouvelle formule, Bill Keynes a fait appel à Jerry Miller, le tombeur des pénalités. Le nom de Miller est souligné dans l'article. C'est le genre de joueur que j'aime. Les supporters qui aiment les hamburgers saignants attendent impatiemment de voir Jerry Miller en action. Depuis que nos hommes ont adopté les méthodes de Philadelphie, leur réputation n'a cessé de monter. L'assistance dans les tribunes s'est accrue de 20%. C'est un grand morceau de littérature. C'est vous qui avez écrit ça, monsieur Finet? Non, je n'ai rien écrit. Mais vous l'avez envoyé à la presse. Oui, c'est vrai. Les supporters qui aiment leur hamburger saignant. Je crois qu'ils les ont eus. Et ça continue. Depuis que nos hommes ont adopté les méthodes de Philadelphie... C'est quoi les méthodes de Philadelphie, monsieur Finet? C'est une allusion à un film avec Catherine Hepburn. Oui, ça je sais. Est-ce que cela revient à dire que les méthodes de Philadelphie sont le reflet d'un genre de hockey qui fait appel à la violence et à l'intimidation? Il ne faut pas l'interpréter de cette façon. Vous peut-être. Mais il n'est pas insensé de supposer que d'autres l'ont fait. J'ai noté dans le magazine d'illustration sportive, je cite, « Il paraît censé d'essayer de donner la vedette à un homme plus important pour son équipe que moi pour la mienne. Si je mets en vedette Brad Park, je pense que ce ne serait pas une mauvaise affaire. » Signé Dent Schultz, qui appartient à l'équipe de Philadelphie. Alors pensez-vous, monsieur Finet, que c'est le reflet de la façon particulière de jouer à Philadelphie? Je l'ignore. Bien, alors, venons-en maintenant à la fin de l'article. L'assistance dans les tribunes s'est accrue de 20%. Est-ce vrai, monsieur Finet? Oui. Est-il légitime de dire qu'il y a un très grand profit à promouvoir la violence au hockey et que la vente des hamburgers saignants rapporte beaucoup? Mais les clubs pratiquent un meilleur hockey. Les supporters l'aiment. N'avez-vous pas envisagé, monsieur Finet, qu'il y aurait peut-être plus de profit un samedi soir à louer toutes les places en envoyant de vrais chrétiens à de vrais lions? Objection, votre honneur. Ceci va beaucoup trop loin. Je constate que nous vous avons accordé une grande latitude, mais je pense en effet que cette fois, vous dépassez la mesure. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Ni moi non plus. La politique de la Ligue est de réprimer très fermement les bagarres et les actes d'une extrême violence. Et en tant que président de la Ligue, vous êtes chargé de faire appliquer cette politique? Parfaitement. Monsieur McLeod, combien d'hommes avez-vous suspendus précisément pour bagarre? Je pense... trois. Trois. Et vous avez entendu des témoignages indiquant que des bagarres ont lieu pratiquement au cours de chaque partie? Oui, je pense qu'il y a de l'exagération. Seulement quelques bousculades ou quelques petites mêlées. Cela n'a aucun rapport. Monsieur McLeod, connaissez-vous le rapport McMurty qui parle de la violence qui est rapport fait à la demande du ministère de l'Ontario? Je pense que le titre exact est « Investigation et enquête sur la violence chez les amateurs en hockey ». Oui, je l'avais lu. Et aviez-vous lu ce passage?
je cite, « L'évidence est clairement démontrée qu'il y a manifestement un effort pour vendre de la violence en hockey afin d'enrichir un petit groupe de promoteurs de spectacles aux dépens d'un sport magnifique. » Eh bien, Monsieur MacLeod? Quelle est la question, Monsieur Graff? Avez-vous lu ce passage? Oui, monsieur, je l'ai lu. Et vous êtes d'accord avec lui? Non, monsieur, nullement. Monsieur MacLeod, ne croyez-vous pas qu'il serait bientôt temps que le hockey interrompe cette escalade vers nos mauvais instincts, vers cet appétit du sang qui coule? Non, monsieur. Nous avons toujours essayé d'équilibrer les aspects d'un match. Il y a un nouveau règlement en vigueur qui a pour but la restriction de toutes les violences. Oh oui, le nouveau règlement. Vous avez adressé, je crois, un commentaire sur ce nouveau règlement de la Ligue à un magazine dans son numéro de janvier exact. Oui, monsieur. Vous disiez alors, je cite, « Le propos de ce nouveau règlement n'est pas d'éliminer les bagarres. » La citation en réalité signifie que c'est dans le but d'éliminer les vraies attaques et autres violences. Ah oui, mais c'est très clairement formulé. Pas pour éliminer les bagarres. Alors, ne pensez-vous pas que c'est un encouragement à la violence, à la vente d'une sale marchandise, le sang et la souffrance et... Votre honneur, c'est un appel à une conclusion par le témoin. Oui, si c'est une question que vous posez, monsieur Graff, voulez-vous la préciser? Non, votre honneur, je préfère la retirer. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je n'ai à poser qu'une ou deux questions. Je trouve que monsieur Graff empiète sur mon terrain allègrement. Monsieur MacLeod, vous ne pensez pas que les athlètes sont au-dessus des lois, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas que si un crime a été commis, peu importe si ce crime a été commis dans un stade ou dans une allée au dehors. Objection, votre honneur. Monsieur Med va demander aux témoins d'exprimer une opinion sur la culpabilité ou l'innocence. Ceci est parfaitement contraire aux lois et je suis prêt à déposer. Ça suffit, monsieur Graff. Objection valable. Je retire la question. Merci, monsieur MacLeod. Ce sera tout. Jerry. Quand vous êtes allé dans le bureau de Bryant, il vous a signifié qu'il vous envoyait à Moline. C'est une ligue mineure. Vous a-t-il dit pourquoi? Il a dit que je ne méritais pas mes appointements. Est-ce qu'il vous a donné un exemple pour prouver que votre jeu ne donnait pas satisfaction? La seule chose qu'il m'a dit, c'est que je ne m'étais pas bagarré avec Art Gosling le match précédent. Que s'est-il passé? Eh bien, je dois avouer que ça me tourmentait. Et j'en ai parlé à un copain dans l'équipe après la partie. Il m'a dit que je n'avais jamais été un marqueur de but, que je passais inaperçu. Alors, il m'a conseillé de faire ce qu'il voulait. Et cela s'est traduit comment dans votre façon de jouer? Il voulait un jeu dur, plus physique, un fonceur, un cogneur. Et qui était cet ami dont vous nous parlez? Dave. Dave Eskenazi. Jerry, depuis cette sorte d'exil à Moline, vous avez changé quelque chose dans votre façon de jouer? Oui. J'ai commencé à jouer un peu plus en force. Lorsque nous étions opposés à une équipe et qu'un de leurs hommes était dangereux, je devais le marquer. Ensuite, le provoquer à la bagarre, le bousculer et puis l'étendre pour que le match suivant, il se dégonfle. Qu'il se sente en infériorité et qu'il n'ait qu'une idée, faire une passe pour se débarrasser du palais. Bref, l'intimider. Et cette façon de jouer avait du succès? Oh oui, elle m'a permis d'échapper à la deuxième division avant la fin de la saison. Est-ce que la presse a parlé de vous dans certaines publicités à cette époque? Le chargé de presse m'avait trouvé un surnom, le roi de la prison. En fait, ce n'était pas exact. Le roi de la prison, ça ne veut rien dire. Cela ne me plaisait pas. Alors, ils ont dit que le mot cogneur n'avait pas le même impact que le roi de la prison. Est-ce que votre équipe vous a infligé des punitions pour cette façon de jouer? Non. Non, j'ai eu une augmentation de salaire et on m'a donné une récompense avant le début du premier match. C'était une sorte de blague. Ils m'ont donné un boulet et une chaîne. Jerry, si vous n'aviez pas été le fonceur, le cogneur du club, auriez-vous eu votre place dans l'équipe? Objection, votre honneur. Cela équivaut pour le témoin à témoigner sur des suppositions qui pourraient exister dans l'esprit d'un autre. La décision sur la composition de l'équipe est prise par les administrateurs. Je pense que c'est un argument valable, monsieur Graff. Votre honneur, la question posée au témoin sollicitait son impression sur la situation. Peut-être pourriez-vous être plus clair. Oui, monsieur. Jerry, quel était votre point de vue? Vous voulez dire pour mon emploi? Eh bien, j'imagine qu'il dépendait de ma faculté de fonceur.
Voulez-vous expliquer quel était votre sentiment personnel? Eh bien, j'ai toujours aimé le hockey, le contact physique du jeu et les charges. Mais cela ne m'inquiétait pas, j'aimais assez ça, je crois. Mais je n'ai jamais ressenti un très grand plaisir à me bagarrer avec un joueur. Ainsi, vous établissez une très nette différence entre le contact qui se produit au cours d'un match et la violence d'une bagarre ou d'une brutalité excessive faite pour intimider. Oui, on peut jouer dur au hockey, c'est une chose. La bagarre et tout le reste, ça n'est pas pareil. Et quel était votre sentiment sur la violence excessive et illégale qu'on vous demandait? Je n'en sais rien. Il y a toujours des risques. On peut être blessé soi-même, les autres équipes vous repèrent. Mais vous n'avez jamais pensé que vous pouviez avoir tort? Non, c'est une façon de jouer. C'est ce qu'on attendait de vous? Oui, c'est pour cela qu'on me paie. C'est un sport commercial. Je vous remercie. Maintenant, Jerry, si nous parlions de la bagarre avec Dave Eskenazi dans la soirée du 7 janvier, vous nous avez dit que vous connaissiez Eskenazi, personnellement, j'entends. Oui, c'est exact. Nous avions été dans un club d'amateurs tous les deux. Vous aviez des relations étroites, vos femmes étaient amies. Oui, elles étaient très amies. Mais à votre retour dans la ligue, Eskenazi appartenait alors à une autre équipe. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose à ce moment-là? Oui, il a dit, si tu t'attaques à moi, je te promets que je ne t'épargnerai pas. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Vous, qu'est-ce que vous avez compris? Eh bien, que sur la glace, il importe peu qu'on soit amis. Il ne faut penser qu'au hockey. C'est ainsi que ça se passe, pas de quartier. Oui, monsieur, et au cours de ce premier match, Dave m'a balancé contre la clôture. Vous voulez dire contre les panneaux? Oui, monsieur. Voyons, Jerry, à cette soirée du 7 janvier, il y a eu en réalité deux bagarres entre vous et Dave Eskenazi. Pouvez-vous me dire qui a commencé? Dave en a commencé une. Je l'ai chargé durement pour l'empêcher d'approcher du but, et il a enlevé ses gants et il m'a filé des coups de poing. Ainsi, Eskenazi a commencé cette bagarre? Oui, monsieur. Vous étiez en colère contre Dave Eskenazi, alors? Eh bien, oui et non. Enfin, dans une partie de hockey, quand on vous frappe, vous frappez. Si ça vous fait très mal, vous êtes en colère sur le coup. Ça doit vous paraître insensé, parce qu'après tout, ça n'est qu'un jeu. Mais on a les nerfs à fleur de peau, et l'adrénaline vous rend nerveux. Et... oh, j'ignore si tout cela paraît très clair. Je pense que c'est clair. Bon, Jerry, une fois le temps de la pénalité terminé, que s'est-il passé? Eh bien, Dave m'a fait un blocage qui m'a envoyé contre les panneaux. Il m'a donné un coup terrible. Et ensuite? Eh bien, je me suis précipité sur lui de la même façon qu'il s'était précipité sur moi. Pas exactement de la même façon. Non. Jerry, quand vous vous êtes dirigé vers Dave Eskenazi, comment teniez-vous votre crosse? Aucune idée. Je n'en sais rien. J'étais encore tout abruti par le choc contre les panneaux. Et dans ce cas, on se tient à sa crosse. C'est une sorte d'instinct. Je vois. Ainsi, à ce moment-là, vous n'aviez aucune intention de le brutaliser? Non, aucune. Jerry, quand vous franchissiez les 10 derniers mètres qui vous séparaient de Dave Eskenazi, à quoi avez-vous pensé? À rien. J'étais sonné par le coup et c'est tout. Vous repreniez seulement votre place dans la partie? Oui. Vous ripostiez par une bagarre comme Eskenazi avait riposté en début de match? Oui, monsieur. Parce que cette façon de jouer est normale? Oui, monsieur. Votre employeur vous demande de le faire? Oui, monsieur. Et parce que 14 733 spectateurs, dont le procureur général Horace Mead et son fils, vous demandent de jouer ainsi? Oui, monsieur. Je vous remercie, Jerry. Ce sera tout. Monsieur Miller, j'avais préparé une longue liste de questions soigneusement choisies pour faire valoir votre réputation et votre carrière de brut, de joueur abominable, prêt à tous les excès et coupable d'actes de violence contraires à tous les règlements du hockey. Mais monsieur Graff a mis tout ceci en évidence au cours de son interrogatoire. Votre honneur, monsieur Mead est ici pour se livrer à un contre-interrogatoire et non pour faire un réquisitoire. Monsieur Graff, si on considère la latitude qui vous a été accordée, je ne pense pas que vous puissiez vous plaindre. Ce
Cependant, Monsieur Maine, nous aimerions connaître les questions que vous avez à poser et non celles que vous ne poserez pas. Excusez-moi, Votre Honneur. Monsieur Miller, vous avez témoigné que, après que Dave Eskenazi et vous-même soyez sortis de prison, vous vous êtes de nouveau heurté. Oui, monsieur, ce fut de propos délibérés. Le palais se trouvait à ce moment-là de l'autre côté de la piste. Mais cette charge a eu lieu pendant le déroulement de la partie. Il n'y a aucune pénalité infligée à Eskenazi pour cette action, n'est-ce pas? Non, mais... Ce fut en fait un acte normal au cours de la partie. Oui. Alors, après le coup de sifflet interrompant le jeu, vous vous êtes délibérément dirigé vers Eskenazi. Oui, monsieur. Avec votre crosse levée devant vous. Est-ce exact? J'ai déjà expliqué cela. Répondez à ma question. Vous aviez votre crosse dans votre main et levée devant vous. Oui. Et vous en avez asséné un coup à Dave Eskenazi de toute votre force. C'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Et votre crosse de hockey l'a atteint dans la partie basse de l'abdomen, sous la cage thoracique, en provoquant l'éclatement de la rate. Je ne savais pas que je l'avais blessé. Et ensuite, tandis que Dave Eskenazi était étendu sur la glace sans défense, vous avez bondi sur lui et vous l'avez frappé à la tête à plusieurs reprises. Non, ça n'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est exactement ce qui a eu lieu. Monsieur Miller, vous vous êtes acharné sur Dave Eskenazi, non seulement en violant la loi, mais également en violation des règlements fragiles du hockey. Votre intention était de le blesser, et finalement vous l'avez tué. Non, j'affirme que ça n'était pas là mon intention. Est-ce que vous prétendez que vous n'aviez pas l'intention d'attaquer Dave Eskenazi? Est-ce que vous prétendez que vous avez parcouru 10 mètres avec votre crosse de hockey levée devant vous pour l'embrasser et faire la paix? Est-ce là que vous voulez faire croire au jury? Non. Eh bien, n'est-il pas vrai que dans ce sport qui est on ne peut plus violent et qui est devenu corrompu afin d'augmenter les profits, vous êtes une brute à gage? Un homme de main robuste, un cogneur, un joueur malfaisant qui est payé pour déclencher les bagarres, pour répandre le sang, pour assurer la victoire, dans le cadre ou en dehors des lois, n'est-ce pas ce que vous êtes, monsieur Miller? Objection, Votre Honneur! Le procureur s'efforce manifestement d'influencer le jury. Sa façon de présenter son argumentation est tout à fait impropre. Objection valable. Le jury ne tiendra pas compte des dernières remarques de monsieur Med. Je ne veux pas que ceci se reproduise à nouveau, messieurs. Je vous présente mes excuses, Votre Honneur. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Mesdames et messieurs, nous, les avocats, nous avons une doctrine que nous aimons appliquer. Elle nous vient du latin. Elle signifie les choses de l'esprit. Cela veut dire que la mort est un fait qui ne signifie pas nécessairement qu'un crime a été commis. La question est, y avait-il intention criminelle? L'accusé était-il dans un tel état d'esprit qu'il avait l'intention de violer la loi? Jerry Miller est un athlète professionnel. C'est un joueur de hockey. Nous l'avons entendu témoigner qu'il est établi que la Ligue, les journaux, les dirigeants, les intérêts de la télévision, non seulement tolèrent la violence dans le sport, mais de plus l'encouragent. Jerry Miller fut envoyé à Moline parce que son entraîneur disait ouvertement « Je ne veux aucun gars dans mon équipe qui ne se bagarre pas quand on le bouscule. » Eh bien, il a appris. Il a appris à faire ce qu'on demande à un professionnel de hockey. Il s'est battu. Il s'est battu pour conserver son emploi, pour faire vivre sa femme et son enfant, pour être autorisé à jouer au hockey. La seule chose qu'il ait jamais appris à faire réellement bien dans toute sa vie. Alors, Monsieur Med va probablement vous dire quelque chose que vous connaissez tous déjà. Que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse, mais ce n'est pas cela dont nous parlons ici. Non, la question n'est pas de savoir si la loi est méconnue. Ce dont nous devons parler, c'est d'une très raisonnable hypothèse qui devait germer dans l'esprit de Jerry Miller. Il était persuadé que ce qu'il faisait était parfaitement légitime. Cette ville l'a honoré. Et de respectables citoyens l'ont acclamé. Le soir où a eu lieu cette tragédie, le procureur général Horace Med et son fils y assistaient. Nous avons tous dit... Vas-y, Jerry, vas-y, plante-le, tape! Vas-y! Eh bien, il nous a obéi.
cours de cette soirée de janvier, le 7, le drame inattendu s'est produit. Dave Eskenazi fut grièvement atteint et il mourut. Et ce fut une tragédie. La question est, une intention criminelle existait-elle dans l'esprit de Jerry Miller? Ne voyez-vous pas ce qui s'est réellement passé? Il ne faisait que le travail qu'on lui demandait de faire. Le travail qui faisait vivre sa famille. Un travail qui avait la compréhension, l'approbation et les applaudissements de notre société. Nous avons enseigné à Jerry Miller comment cogner. Dans son esprit, il avait l'autorisation accordée manifestement par nous tous d'agir en fonction de notre sombre imagination. La mort d'un homme, le résultat de notre fascination tortueuse et maladive pour le danger et la violence. Et pour Jerry, en ce qui le concerne, ce fut une tragédie. Bien triste tragédie. Oh, il y a peut-être, dans un certain sens, culpabilité. C'est dans la cruauté des exploiteurs des souffrances des hommes, dans l'appétit du public pour le sang, dans une maladive et décadente fascination pour la violence, la souffrance, en littérature, dans les films, à la télévision et dans les sports. Mais ici, dans ce tribunal, dans ce cas très précis de la culpabilité de Jerry, je crois que la décision est claire pour nous tous. Je sais que vous conclurez que Jerry Miller n'avait aucune intention criminelle. Il est en conséquence innocent de cette accusation. Mesdames et messieurs, quand le juge vous instruira de la loi, il aura à définir pour vous le crime d'homicide et l'attaque avec une arme mortelle. Monsieur Graff essaye désespérément de trouver une défense pour son client. Il suggère qu'il doit échapper à la loi parce que sa profession est celle d'athlète, qu'on doit tenir compte des circonstances. Mais on doit toujours tenir compte des circonstances. Nous en avons souvent entendu parler ici dans ce tribunal, soit parce que le coupable était pauvre, soit parce qu'il était sans instruction, soit encore parce qu'il avait un discernement déficient, soit parce qu'il avait une faible mentalité. Tout ceci a été employé par la défense. Et maintenant, nous venons d'entendre parler d'un nouveau concept, que le coupable est un professionnel, un athlète. Monsieur Graff a décrit avec une répugnance compréhensible l'inclination grandissante dans la profession du hockey pour la violence et pour le sang. Et en conséquence, il nous dit que l'accusé ne peut être tenu pour responsable. Mais n'est-ce pas le monde du hockey, ainsi que le monde autour de nous, qui sombre dans la violence, l'hypocrisie? Est-ce que vous êtes d'accord que pour un professionnel du sport qui vit dans notre monde, on puisse tirer un trait? Les hommes et les femmes sont responsables de leurs actes. C'est la signification de la justice. Un crime a bien été commis. Alors il faut qu'il y ait condamnation et punition. Et c'est cela que vous devez considérer, mesdames et messieurs les jurés, quand vous arriverez à cette inévitable conclusion. Jerry Miller est coupable selon l'accusation. Ça peut être long. Tu te sens bien? Oui, bien. Bien, je crois que tout ça va finir par s'arranger. Jerry, ces autres joueurs, tu sais, au Canada et à Minneapolis, ils ont tous été acquittés. Ils n'avaient pas un procureur général en dévotion pour Saint-François d'Assise? Oui, mais ils n'ont pas le droit, enfin, je veux dire, d'en parler comme si ce n'était qu'un crime. Ils comprennent ce que c'est que le hockey. C'est un jeu violent, un vrai sport. Tu n'as pas oublié ce que tu as dit quand j'étais à Moline. Qu'il y avait quelque chose de différent dans la façon dont je jouais. Que ça ne t'intéressait plus. Tu te souviens? Oui. Tu étais bien la seule. Ça intéresse tout le monde, excepté toi. Il a raison, Mead.
Quelle sorte d'homme faut-il être pour faire une chose comme ça? C'est un viol contre soi-même. Et tu disais que je n'étais plus moi. C'est pas toi, Jerry. C'est vraiment pas toi. Mais c'était moi, là-bas, sur cette glace. J'ai fait ça. Je suis le genre d'homme qui peut faire ça. Eh oui, c'est la vérité. Je suis vraiment coupable. Jerry, que l'accusé veuille bien se lever. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes-vous mis d'accord sur le verdict? Nous sommes d'accord, votre honneur. Huissier. Le greffier va lire le verdict. Nous, le jury, faisons connaître ceci comme étant notre verdict dans cette affaire du peuple contre Jerry Miller. 1. Sur l'inculpation de crime par homicide au premier degré. Non coupable. 2. Sur l'inculpation annexe de simple attaque avec intention de nuire corporellement, nous déclarons le prévenu coupable. L'accusé devra se présenter pour entendre la sentence le 9 février à 10 h du matin. Le tribunal est ajourné. Je vous cherchais. Je vous avais perdu dans le hall du tribunal. Je suis vraiment la vraie. Ce sont les journalistes. Votre père m'a dit que vous deviez être ici. Mais je suis venu pour débarrasser mon armoire. Je viens juste de me souvenir. Fallait de me souvenir d'un match. Oh non, ne pensez pas que c'était au cours des éliminatoires l'année dernière. Non, non, c'était quand je vivais à Glen Falls. J'avais alors 11 ou 12 ans, je crois. Je me rappelle que la rivière avait gelé. Nous avions mis 2 poubelles sur la glace pour les buts. Et, il faisait froid. Oh, bon sens qu'il faisait froid. Vers la fin de l'après-midi, le soleil était en train de se coucher. Ça fait mal quand on respire profondément. J'avais envoyé le palais dans notre propre cage. Je me faisais appeler Maurice, le roi du crochetage. Vous savez, à cette époque, j'étais vraiment Maurice, le roi du crochetage. Et je me précipitais sur la glace, avec la crosse bien en main, vous voyez. Je filais à travers toute cette sacrée équipe. Alors, je fais une feinte sur la gauche, et puis un tir retourné, qui rentre dans le coin. Excepté qu'il n'y avait pas de point, puisque c'était une poubelle. Et qu'il n'y avait personne pour regarder. Ni papa, ni personne. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. À travers toute l'équipe. Terminé par un tir.
C'est drôle, n'est-ce pas? Je veux dire, c'était un amusement. Sans la moindre importance. Je suis navré. À propos de quoi? La condamnation. J'espérais que nous aurions plus de chance. Allons, j'ai échappé à la condamnation pour homicide. Nous ferons appel. Pourquoi? Que puis-je espérer de mieux? Un autre procès. Allons, le juge a ordonné ma liberté surveillée pour 3 ans. Je ne vais pas en tôle. Qu'est-ce qu'un autre procès m'apportera? Peut-être l'acquittement. La Ligue vous a banni à vie. Le hockey, c'est fini. Peut-être que ça pourrait s'arranger. Oui. Mais combien de temps ça prendrait? 2 ou 3 ans. Dans 2 autres années, vous savez quel sera mon âge. Après une absence aussi longue, je ne crois pas que ça marcherait. Je ne suis pas Gordiot. Et qui paierait? J'aurais une photo prise au club pendant qu'il ramasserait l'addition. De toute façon, pourquoi un nouveau procès donnerait un jugement différent? Quand on y réfléchit bien, je l'ai vraiment tué. On ne peut pas échapper à cette pensée. Et voilà, la partie est jouée.